Allô, je m'appelle Kate Gosselin. Comme vous avez pu le constater dans la description, je me décris, j'explique un petit peu mes maladies. Effectivement, si je demande de l'argent, c'est des dons. C'est parce que le gouvernement ne fournit pas tout l'équipement dont j'aurais besoin. Et présentement, si ce serait d'adapter mon habitation, en fin de compte, d'avoir une rampe pour rentrer chez moi. J'ai besoin d'un fauteuil roulant, j'ai besoin d'un quadriporteur électrique. Et c'est toutes des choses que je peux pas me payer parce que je peux plus travailler depuis plusieurs années. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette demande sur GoFundMe. Donc, c'est ça. On me dit que ce serait préférable de mettre une vidéo. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus qui a été dit déjà dans le texte. Mais j'imagine que en me voyant, c'est peut-être préférable au lieu d'avoir juste une photo. Donc, c'est ça. Je m'appelle Kate Gosselin. Je suis atteinte de la maladie de Crohn, de la SPA, la spondylarthrite ankylosante. Et de la sacroiliite. Les deux dernières, c'est une maladie, une forme d'arthrite et d'ostéoporose, dont l'avant-dernière, la SPA, c'est dans la colonne vertébrale. Dans mon cas, ben, ça forme pas un S, mais en descendant, ça forme un C sur le côté, puis un C qui ressort. Donc, c'est ça, je mange vraiment plié en deux. Puis, c'est pour des courtes distances à l'aide d'une marchette, déambulateur, si je peux dire plus précisément. C'est sûr qu'avec un enfant de 10 ans qui veut faire des activités avec sa maman, moi, je conduis pas. Donc, c'est sûr que d'avoir un quadriporteur électrique pour moi, ça améliorerait ma qualité de vie, puis la qualité de vie que j'ai avec mon fils aussi, par le fait même. Pour les autres accessoires, c'est la même chose. C'est une certaine indépendance que je pourrais acquérir pour faire à manger, prendre mon bain toute seule, me laver les cheveux toute seule. Ben, c'est rendu difficile pour moi. Même embarquer dans un bain, c'est compliqué, là. Donc, c'est pour ça que je fais appel à vous. Voilà. Donc, vous en savez un petit peu plus sur moi. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Bonne journée.